écoutez, midi et demi, le centre d'appel du 1084 a reçu par le 18 un appel comme quoi il y a eu un accident de plongée, une remontée trop rapide avec une petite inhalation d'eau pour la victime. Au niveau de cette source, on a de suite déclenché une unité grimpe du 1084 qui a permis en fait le brancardage de la vasque où on se situe là au niveau du lit de la rivière où ensuite est venu un vecteur aérien qui est le Dragon 34 pour pouvoir médicaliser la victime et gagner du temps sur son transfert au niveau du centre hospitalier. C'est une victime féminine d'environ 30 ans qui a été un petit peu pris de panique, qui a eu une remontée rapide. Et son état de santé était plutôt bon, stable, au moment où elle est montée dans l'hélicoptère. Il ne faut pas surtout pas se surestimer sur ce genre d'exploration. Parce que même si ça semble simple en regardant une topo, ça reste malgré tout de la plongée souterraine. Et on ne s'improvise pas plongeur souterrain comme ça.